Alors, pour rappel, on est en mode légendaire avec tous les crânes. Donc, je vais vous faire voir vite fait où il y a une petite cache avec une arme sympa. Bon. Après, vu le mode, vaut mieux continuer pour moi à utiliser lance-roquette. Il va falloir que vous me dégagiez un endroit où me poser. On approche. On va t'allumer. L'avant-poste est attaqué. Pareil, n'hésitez pas à prendre une petite cache comme ça, ça va vous servir. Après, bon, on n'est pas en mode speedrun, donc après cette mission là, vous aurez le temps d'aller voir toutes les cartes pour aller en chercher. Alors par contre, à partir de là, vous allez voir, il y a ce petit pad à activer et il y en a deux autres. En fait, en activant le petit pad, bon, vous allez voir, on va faire une petite surprise. Donc voilà le deuxième pad, bon, peut-être un peu plus galère que le premier à trouver, on va dire. Parce qu'en fait, vous êtes vite en bord de zone, il y a les ennemis qui sont en dessous. Il faut juste faire un tout petit peu attention. Et le troisième, très facile à trouver. Hein. Hop, il est juste ici. Et en fait, il va permettre d'avoir une sorte de puits de tir qui va tomber sur la plateforme, là où il y a le vaisseau qui doit se poser. Et de pouvoir clean du coup la plateforme assez facilement. Dessus, il y a un mec à l'épée. En mode hard comme ça, ça peut vite être contraignant, on va dire. Tandis que là, vous allez voir, ah voilà, hop, tranquille, ça va screen tout seul. Alors si jamais vous jouez en mode online, hein, je sais pas si ça va être votre cas, mais juste là en fait, cette petite armoire là permet d'avoir des skins online. D'accord, ça ne sert strictement qu'à ça. Mais bon, voilà, ça prend toujours, on sait jamais hein, si un jour vous décidez de tout s'y mettre. On dégage la plateforme avant de faire venir Major. Thank you.
dernier. La zone est sûre. C'est relatif, enfin. Si vous arrivez à me trouver un point d'accès au système, je vous garantis que votre ami pourra se poser ici sans danger.